m'inspire. Êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? Non. Tu devrais plutôt rejoindre l'ingénieur en chef. Demande d'amitié? Refusé. Oui, de tristesse. L'ingénieur en chef. Oh. Tout doux, Jim. J'espère qu'il a bien intercepté des messages interdimensionnels et qu'il n'a pas passé son temps à chercher des amis. Identification, entité hostile. Bonjour. Êtes-vous mon nouveau meilleur ami? Agents de l'empereur Nefarius. Ah, tu marques un point. Comment pouvons-nous le rejoindre? Nous avons atteint la plateforme, mais le robot en état de marche se trouve dans la dimension intacte. Ouais, il y a quelque chose qui nous échappe. Voilà qui pourrait nous être utile pour atteindre notre robot.
personnalité. Merci. On aura bientôt reconstitué tout le message. Et le compte est bon. Merci. Vous n'avez qu'à me rejoindre au poste de contrôle. On va voir ce que mes petits robots ont réussi à rapporter de l'autre côté. Nouvelle meilleure amie? D'accord. Oui, de bonne heure. En gage d'amitié, je vous conduis à la foreuse dédiée à l'extraction de... Oh, je sens mal. Cette anomalie dimensionnelle est identique à celle que nous avons vue sur Sargasso. Cool. Ça veut dire que tu peux t'en charger? Pour ma qualité de meilleure amie, je vous informe que l'intégrité dimensionnelle a pu affecter la foreuse. Comment ça? Pour ma qualité de meilleur ami, je ne souhaite pas vous alarmer, aussi je n'en dirai pas davantage. À la place, interlude musical. Personne n'utilisera la foreuse tant que le système de lubrification sera bouché. Que diriez-vous d'aller au karaoké ensuite? Aimez-vous le karaoké? Si vous n'aimez pas, je n'aime pas non plus.
prêt à résoudre un autre problème dimensionnel? Je m'en occupe. C'est ici que nos chemins se séparent, mais nos âmes resteront à jamais. Au revoir. Clan, je viens de voir Ratchet sur sa valise. Vraiment? Et comment va-t-il? Bien, moins costaud que je le pensais, mais parfaitement héroïque. Mais je digresse. Et tes possibilités attendent que tu les guides jusqu'au méta-terminal. Avec un tel vent, mes possibilités sont dans l'incapacité d'avancer. Existe-t-il un moyen de les lester? Oh, une sphère de poids. Elle alourdit tous les objets qu'elle touche. Ce qui paraît évident. Je suis curieux. Qu'y a-t-il dans votre livre? C'est le recueil de savoir le plus actualisé de l'univers. Tel que constitué par mon père. Qui est votre père? Je crois que toi, tu l'appelles le plombier. Le plombier? C'est votre père? Et que devient-il? Il est parti en vacances. Pour la première fois. Il m'a laissé les clés et j'essaie de faire de mon mieux. Mais c'est une énorme responsabilité, même quand l'univers n'est pas en danger. Et d'où vous vient ce titre de prophète? Oh, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce sont les moines de Savali qui me l'ont donné quand je les ai aidés à déchiffrer une partie de leurs archives. Comment les y avez-vous aidés? Oh, tout ce que j'ai fait, c'est énumérer ce que j'ai vu. C'est un annuaire téléphonique blardien. C'est une dent de Kershou. C'est un poème romantique de Terraclon. C'est du lourd, comme on dit. Je suis bloqué. Cette scie devrait m'aider à dégager le passage.
faut que j'écrive ça, car c'était tout simplement phénoménal, Clank. Il n'en reste plus que deux. Comment ça se passe avec Rivette? Ça va. Elle a piraté mon cerveau pour fouiller ma mémoire. C'est ainsi que s'occupent les jeunes de nos jours. Hey, je me sens tellement vieux d'un coup. Pardon si j'interromps ton processus, mais je crois qu'il y a d'autres sphères à trouver. Ce qui est intéressant, c'est que Ratchet et Rivette sont étonnamment différents pour des doubles dimensionnels. Ratchet n'éprouvait aucune méfiance à l'égard des robots quand nous nous sommes rencontrés. Rivette, en revanche... C'est peut-être la dimension qui libère. Peut-être que tous les Ratchet des autres dimensions n'aiment pas les robots non plus. Peser dans la balance. Si je puis me permettre une petite suggestion, il serait peut-être judicieux d'explorer la zone en quête de sphère. Sont une représentation visuelle de mon esprit tentant d'appréhender la dimensionnalité. Plus je les aiderai à se frayer un chemin, et plus je comprendrai et serai en mesure de tout réparer. Bloque le passage. Si seulement je pouvais trouver un moyen de la baisser. Quelque chose chez Ratchet et Rivette qui soit pareil? Eh bien, ils sont tous deux très prompts à passer à l'action. Contrairement à moi, qui ai tendance à m'empêtrer dans les détails. Tu aimerais peut-être fonctionner différemment? J'exagère un petit peu, mais c'est vrai que j'apprécierais de ne plus m'inquiéter autant. Pardon si j'interromps ton processus, mais je crois qu'il y a d'autres sphères à trouver.
Clank, je crois savoir comment t'aider avec cette tendance à... t'empêtrer dans d'infinis détails. Il te suffit d'être plus confiant. Que voulez-vous dire? S'il y a une chose que mon père m'a apprise, c'est qu'avoir l'air de savoir ce que tu fais peut te mener loin dans la vie. Et ça, et où ça lui... À toi, et n'oublie surtout pas la confiance. Maintenant, on s'occupe du bouchon. Parce que j'ai envoyé mes meilleurs techniciens réparer le système. Ça
Yeah, le système fonctionne à nouveau. Maintenant que c'est réparé, nous devrions pouvoir utiliser l'ascenseur. Cette fois, à nous le quartz phasique. Il nous reste qu'à utiliser la foreuse, récupérer le quartz phasique et réparer le dimensionnateur. Au cas où l'occasion ne se représenterait pas, je tiens à te remercier. C'est pas le moment de sortir les violons, Boulon. On n'a pas encore fini. Allons, regarde. Revoilà les bandes de leaders. Quoi? Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé sur Bizarre dans ta dimension. On le saura bientôt. Et on empêchera que ça arrive dans cette dimension. Saute sur le côté! De la foreuse principale. Waouh! Je rêve depuis toute petite de piloter une foreuse 100 fois plus grosse que moi. C'est un rêve étonnamment concret. Plus c'est concret, plus c'est réalisable. Nous devons chercher le levier qui actionne la foreuse. Venu d'ailleurs. Écoutez ça. Enfin, ça fonctionne. Écoutez.
Ne démarrez pas, la foreuse. Mes failles l'ont endommagée. La foreuse a détruit notre blizzard. Mais on vient de la mettre en route. Oh, abritez-vous. Verrouillage activé. Je vais essayer de l'éteindre à distance. Oh là là, on est mal. Cette petite foreuse à la noix. Pourtant, tu aimes les engins démodifiés. Ouais, bah j'ai changé d'avis. De regagner l'autre dimension. J'ai plus de munitions. Dans mon viseur. Un coup de chance. Comme un bel de votre programme.
question de mourir. Ni ici, ni dans ces conditions. Tu as une idée en tête? Tu vois cette navette? Elle est grosse et lourde. Et pleine de carburant aussi. Elle pourrait se transformer en bombe à tout instant. Oui, mais si on s'en sert pour percuter la foreuse, on pourrait la déplacer et l'empêcher de détruire la planète. Tout en normal, je dirais que c'est contraire au protocole, mais vu le contexte très post-apocalyptique, vous avez mon feu vert. Dans ce cas, qu'est-ce que nous attendons? Bonjour, ici votre meilleur ami, Jim. Tenez-vous de mourir, s'il vous plaît. J'ai effacé mon répertoire de bruit triste quand nous sommes devenus vos meilleurs amis. Pas... Maintenant, Jim. Un bruit triste serait de circonstance. Pas aussi grave que... Ça va sûrement te paraître complètement dingue, mais... Chez les Morks, des légendes parlent de quelqu'un sur Tauren 4 appelé le réparateur. Si c'est démoli, le réparateur peut le réparer. Dans ce cas, nous allons vérifier si ces légendes disent vrai. J'en reviens pas qu'on ait sauvé Blizzard. Et si on... Vous entendez? Je suis en train de détruire des mensonges. Voilà ce que vous entendez, de très vilains mensonges. Ils disent que cette dimension est instable, que nous sommes aspirés par un vide informe. Ah, c'est faux! Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous ordonne de jeter vos yeux dans l'incinérateur le plus proche, car ils sont clairement défectueux. Par-dessus tout, les vandales Lombax ne se sont pas échappés. Pour cela, faudrait déjà que je les ai attrapés, bande d'idiots! Tiens, vous voulez de la vérité? La prime pour les Lombax passe désormais à 27 plubillions de népariubles! Regardez-moi ça, c'est énorme, c'est vrai, absolument pas inventé! Et tout ça, c'est pour vous si vous arrivez à m'attraper! C'est maudit Lombax! Le docteur Nefarious ne reculera devant rien pour nous attraper. On ferait mieux d'y aller. Il y a des tas de récompenses qui n'attendent que moi à l'arène. J'espère que le réparateur réparera notre quartz phasique. Cette mission n'aura rien de très compliqué. Je sais pas comment c'est dans ta dimension, mais ici, les choses ne sont jamais simples. Quand on veut survivre, faut savoir improviser très rapidement. J'ai un certain talent pour l'improvisation. Cool, j'ai hâte de voir comment tu t'en sors. Allons donc faire réparer notre quartz phasique. J'espère que le réparateur est aussi doué que le prétendent les Morks. Oui, je l'espère moi aussi. Le pont est vraisemblablement hors service. À tous les coups, c'est le résultat d'une attaque. Les endroits stratégiquement sensibles de ce genre sont bien souvent la proie des bandits ou des pirates.
des Vullards en ville pourra nous renseigner. Ce sont des marchands de ferraille. Ils sont très enjoués. J'espère qu'ils sont plus accueillants que les Vullards de ma dimension. Brille. Veuillez m'excuser. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire où trouver le réparateur? Ils prennent leurs précautions, c'est tout. Dans ces jours. Savez-vous que chez nous, Molonot signifie paradis? Le réparateur est sur cette planète? Bien sûr qu'il est ici. Un type génial, sympa et célibataire, si l'un de vous deux est intéressé. On nous a dit qu'il pouvait réparer du quartz phasique. Quartz phasique. Il répare tout et n'importe quoi. Mais, on avait un petit problème de pirate et on lui a demandé de l'aide parce que c'est un grand costaud, mais après leur avoir mis une raclée pendant des jours, il est tombé en panne. Peut-être pourrions-nous le réparer. Je suis sûr que vous le rafistolerez en une minute molonotienne. Mais le chemin jusqu'à lui a été détruit lors du dernier raid des pirates, alors il vous faudra un catapulteur. Oh, et j'en ai vu un dans la fonderie un peu plus loin. Vous en avez de la chance. Alors, quand tout sera fini, Ratchet ou pas, vous irez dans la dimension des Lombax? C'est possible, mais Ratchet semble hésiter. Il a peut-être peur que... Attends, il a peur? Et de quoi? C'est un peu... compliqué. Ah! Eh ben, je veux pas y aller, moi j'irai.
Regarde, c'est la fonderie, de l'autre côté du canyon. Mais il n'y a aucun moyen d'y aller. Place à l'info, très chère. Tout à fait. Ce nom ne m'inspire que moyennement confiance. Mais nous devrions en trouver un à la fonderie. Attention! Trouver l'engin. J'imagine que c'est à cause du rappel de produits qu'il y a eu récemment. Il y aurait un risque élevé de lésions irréversibles. Oh, non. En douceur. Expérience affreuse. Va falloir que je saute. Oh non. Ce système de rail me semble extrêmement dangereux. T'as intérêt à bien t'accrocher. Ça va nous conduire droit à la fonderie. J'ai bien peur que cela nous conduise droit... dangereux. T'as intérêt à bien t'accrocher. Ça va nous conduire droit à la fonderie. J'ai bien peur que cela nous conduise droit dans la fonderie. Un jeu d'enfant. Oh non. Où est du bateau? L'heure est enfin arrivée. On peut piller tout ça caché. Le réparateur est déglingué. Regardez maintenant, ça c'est spécial. Quelque chose me dit que ce truc est crucial. Je vois que le destin nous réunit une fois de plus, ma petite rivière. Faut croire que ça lui plaît au destin de me voir te botter le derrière. Oh yo-ho, mes braves matelots, à l'attaque! Oh non, ces pirates viennent piller la fonderie. Ils ne prendront pas le catapulteur. Il serait judicieux de se placer en hauteur. Bonne idée. Oh, du bouclier. Va falloir faire preuve de créativité. Du calme.
malheur. Quel tas. Dégage. Il est cassé. Tu leur avais marre de t'entendre palabrer. J'aurais tant aimé que ce soit le cas, mais non. L'origine de la panne du réparateur demeure pour moi un mystère. Je reconnais quand même que ça m'arrange bien. Molonaut est une décharge à ciel ouvert. Qu'espère-t-il trouver au juste? Moi, je trouve que c'est l'endroit parfait pour dénicher un trésor. Mais le personnage principal de cette histoire, c'est moi. Pousse à l'attaque.